Les amis, je suis un petit peu ému de ce qui se passe en ce moment. Vous l'entendez peut-être, je suis avec Dylan et Lucas, ça résonne énormément parce qu'on est dans un stade d'anthologie. On est avec un public absolument exceptionnel. Un petit peu de bruit, le public, s'il vous plaît. Hey. À la base, la maison, c'était vraiment des vlogs sans cut. Hein. Si on filmait pendant 20 minutes dans la maison, on ouvrait des cadeaux, c'est tout. La maison, c'est ça, c'était des vlogs à la base. Maintenant, on remplit des stades entiers. Ah, mise pas non plus, calme-toi. On a rempli un stade. Le concept, les amis, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le concept, les gars? On veut un match d'anthologie. On aime le basketball. Et il y a deux personnes à Maison Grise qui adorent le basket. C'est Pierre et Brieux. C'est Pierre et Brieux. Ils font que de se chambrer. Ils veulent faire un match. Ils vont régler leur compte maintenant, là. C'est quoi? C'est un 1v1 entre Pierre et Brieux. Ça va se jouer en 30 points. Et en fait, ça va être, je pense, le plus grand match de tous les temps. Vous le savez peut-être, il y a quelques temps, Pierre, sur sa chaîne, avait retapé, avait fait un makeover d'un van qu'il avait transformé en un outil de voyage absolument exceptionnel. Ce van est l'enjeu de ce match. Je vous explique, le match va se jouer en 30 points. Donc c'est un 1v1 en 30 points. Chaque point marqué par Pierre va valoir 50 euros. Ce qui veut dire que si Pierre marque 30 points et que Brieux en marque du coup 0, vous calculez 30 fois 50, combien coûtera le van à Brieux? 1500 euros. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est une bonne affaire pour Brieux. On a pas dit avant, mais Brieux souhaite racheter le van de Pierre suite à cette vidéo. Sauf que Pierre, évidemment, pas envie de le laisser gratuitement, ce qui est compréhensible. Donc il y a vraiment un enjeu de combien Brieux va acheter ce van, quoi. Donc c'est plus qu'un match de basket, quoi. C'est vraiment un vrai pari avec un maximum d'enjeux, quoi. Tellement d'enjeux que si Brieux met une déculottée absolue à Pierre qui lui met un 30-0, il repart avec le van gratos. Et ça, c'est beau. Et ça va être beau. Qui dit événement exceptionnel dit partenaire exceptionnel pour cette vidéo, puisque nous sommes accompagnés par ASU 2000. La symbolique est très belle, puisqu'ASU 2000, c'est eux qui sont aussi l'assureur du van qui va être l'objet de ce match, tout simplement. La boucle est bouclée. ASU 2000, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance. Mais Dylan, il est fort quand même. Hein. Dylan, il est. Alors, je crois que c'était un quiz. C'est même un compteur en assurance. Pour être un peu plus précis. Les gars, pour être plus précis, je suis désolé. Mais... En fait, j'ai plus rien à dire. Vous êtes. Point pour Lucas. C'est exactement Lucas. C'est le premier réseau français de courtage en assurance. Il vous aide à trouver les meilleures garanties, que ce soit pour vos assurances habitation, que ce soit pour vos assurances auto ou même deux roues. Si vous avez besoin d'une assurance, que vous êtes malusé ou que votre assurance actuelle ne vous convient plus, eh ben n'hésitez pas à contacter ASU 2000. Ils trouveront forcément une solution pour vous. Ils mettent un point d'honneur à trouver des solutions personnalisées pour toujours que les clients soient servis de la meilleure manière possible. Votre conseiller ASU 2000, c'est un peu votre gars sûr finalement. Et d'ailleurs, ça tombe bien les gars, parce qu'il y a un petit happening. En fait, on a notre gars sûr dans le public. On a notre gars sûr d'ASU 2000. Est-ce qu'il peut se lever, notre gars sûr d'ASU 2000? Ouais, il est là. Je propose qu'on l'applaudisse. Il est là. Exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est un vrai gars sûr. Il vient s'assurer que tout se passe bien. Et à la fin, j'ai cru même savoir qu'il allait faire un massage au gagnant. Mais je suis pas sûr. Ah. Parce qu'ASU 2000, c'est un réseau de plus de 300 agences en France et plus de 650 conseillers experts qui sont à votre disposition. On vous met le lien en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin d'une assurance. Ils trouveront forcément la meilleure solution qui vous convient. Un grand merci à eux. C'est en dessous, en bas, de la barre d'infos de description. Ah, c'est une mauvaise et en même temps très bonne imitation, paradoxalement, de Ben. Non, elle est très mauvaise. On va pouvoir accueillir le premier prétendant sur ce match d'anthologie. Je vous demande d'accueillir Pierre Cross. Je sais pas ce qu'ils ont, mais... Ah, on applaudit, nous. Ouais. Bravo, Pierre. Bravo, Pierre. Il y a un problème. Peut-être. Je crois qu'ils sont pas... Il y a un problème avec le public, hein. Peut-être un lag, je sais pas. Public est impartial, on tient à le dire. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on accueillerait pas le deuxième Alors, je vais vous demander d'accueillir Brieux, du coup. Brieux. 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 C'est quoi? J'entends un truc, là. Mais attendez. Ah bah... C'est pas Brieux, ça. J'entends de la musique et ça se lance. Mais c'est fou, ce qui se passe. C'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est quoi ce truc? Oh. Attendez, c'est... Incroyable. C'est pas Brieux, ça, on est d'accord? Non. Brieux, il est où? Brieux va arriver. Oh, ils écrivent Brieux en lettres. Mais non, mais ils écrivent Brieux, Pierre. Ah oui. Non. X. Oh, le X. Oh, le X. Incroyable. Incroyable. Il est où, Brieux? Oh, l'arrivée du joueur français. Il est là. Applaudissements. Simplicité, rempli d'humilité, le joueur français, comme à son habitude. C'est magnifique. Oh. Après ça, je peux mourir tranquille.
Oh là 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 là, c'est incroyable. J'ai applaudi pendant 9 minutes. Ah là, je suis fan de ce qui vient de se passer. Pierre, une réaction peut-être? À toute base, quand on a dit on se fait un contrat, on a dit on va dans le parc, il y a un peu des gens de Maison Grise qui viennent voir et tranquille. On n'aurait pas pu mettre le public dans le parc, c'est le problème. Ouais. Je comprends. Rieux, c'est toi qui les contrôles, on est d'accord? Oui, oui. Moi j'ai rien prévu, t'es le seul à avoir décidé de ça. Il reste pas dans le match? Bah oui, ils vont m'encourager, t'as jamais regardé le NBA? Après, je sais pas si Pierre, toi t'es venu accompagner peut-être d'une équipe de pom-pom girl, de pom-pom boy. Non, moi j'ai demandé à un pote, mais il était pas dispo. Bon, malheureusement, c'est un petit peu les aléas du direct. Tu te déplaces tout le temps avec ton groupe de pom-pom? Ouais, ouais, ils sont assez disponibles, enfin ils sont assez disponibles en ce moment, donc j'en ai profité. Je te remercie d'ailleurs, hein, c'est Uni La Salle. Merci beaucoup, Uni La Salle, hein. Vous avez régalé. C'est un très beau divertissement, mais attention, Pierre, la meilleure réponse est sur le terrain. Mais bien sûr. Et est-ce que c'est pas leur de répondre, Pierre? Non, non, donc là je joue à l'extérieur, clairement. Tu te fais ça comme tu veux, mais. Après, c'est pas chez toi non plus, Brieux. Non, non, bon, y a rien qui m'appartient ici. Hein. Dylan va vous faire le toss pour déterminer qui va avoir. Le toss, c'est le tirage au sort avec, en fait, avec la pile ou face. En gros, c'est ça, pour ceux qui, moi, savent pas, en fait. On a appris 5 minutes avant la définition. Oui, c'est ça, c'est pour ça, je viens de dire quand même. On l'a redit. Pile ou face, messieurs, pour commencer. T'es pour qui? Moi? Moi, j'adore les Lakers, le violet et le jaune. Ok. Allez, Brieux, on est impartial. On est impartial. Qui veut pile? Tu veux pile peut-être? Vas-y, je prends pile. Tu prends pile? Ok. Je prends face, hein, je suis pas chiant. C'est pile, ballon, ah, Monsieur Cross. Tricheur, Pierre, oh, il s'en... Bon match, messieurs. On fait un tout petit disclaimer, vous l'avez compris, le match va se jouer en 30 points, on fera une mi-temps à 15 points, jouer uniquement en 2 et 3 points. Au-delà de la ligne des 3 points, tout panier marqué sera 3 points, en deçà, ça sera 2 points. Et donc, vous l'avez compris, vu que c'est 50€ par point, typiquement, si Pierre marque 2 points, eh ben, c'est 100€ typiquement qui vont dans la cagnotte. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite, messieurs. Régalez-nous. Régalez-nous, régalez-vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, et puis Brieux, bah voilà. Prenez du plaisir, merde, on a qu'une vie, ok? Est-ce que le public est chaud? Est-ce que le public est chaud ce soir? Le match du siècle, le match du siècle. Ouais, exceptionnel. Et c'est parti. C'est parti. Let's go. Ouh, Pierre, du coup, première possession pour Pierre. Hey, on doit être impartial, mais on va être impartial plutôt pour l'un que pour l'autre. Oh, le trépied! Oh là là, premier choc sur le trépied. Waouh, 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 waouh. Alors, je connais un petit peu Brieux, je l'ai vu jouer pas mal de fois entre midi et deux, là, s'entraîner. D'accord. Il va être, je pense, très, très agressif et très collé à Pierre tout le temps. Les supporters ont prévu des chants spéciaux, quand même. Hein. C'est exceptionnel. Allez, Pierre qui va essayer de percer une première fois, c'est au fond. Qui va marquer un but, oui. Qui va marquer un but. Il est très concentré, ça y va. Oh là là, airball. Ça n'y va pas, ça n'y va pas. Le airball, et puis oh là là, la bâche de Brieux. Brieux qui a un avantage de taille, qui est sa taille justement. Brieux en même temps, c'est vrai qu'il a un avantage physique au niveau de la taille. Oh là là, les deux premiers points de Brieux, les deux premiers points. Deux premiers points marqués pour les violets jaunes. Pierre qui se décourage dès le début? Non, 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 non. Pierre, il va le réaliser, on le connaît. Oh là là, c'est technique. C'est technique, il le fait. Oh là là. On a frôlé les 100 euros en plus pour le van. C'est fou, c'est fou. On assisterait à la première mi-temps d'une guerre. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Oh, c'était limite. Aïe, 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 c'était limite l'intervention. Et oui, et c'est là où la taille fait la différence, hein, puisqu'il fait 2m46, je le rappelle. 2m47, il a grandi 47, cette nuit, justement. Il a pris 1 cm cette nuit. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il le met. C'est 4 points. C'est 4-0 pour Brieux. 4-0. Pour... Attention à Pierre, premier degré. Hein. Oh, il y aura du premier degré des deux côtés. Brieux est très premier degré aussi. Brieux, il a pas envie de perdre, ça c'est sûr. Allez Pierre! Allez Pierre! Pierre qui va le faire, oui! Ouais. Et ça fait 100€ en plus. 4-2. Moi je suis fair play, j'applaudis quand Pierre marque. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Et nous, on se doit d'être totalement impartial. Impartiaux. Impartiaux, impartial, je sais plus. Par contre, un nouveau point de Brieux. 6-2, ça va très très vite, ça va très très vite, ouais. Pour l'instant, le van de Pierre revient à 100€ pour Brieux. Allez Pierre! Oui, il les aime ces ballons, mon Pierre. Aïe, 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 aïe. Et Brieux qui récupère cette balle, il aime récupérer les balles, Brieux. C'est Brieux sa passion numéro 1 dans la vie. Brieux qui lave sa toiture sans escabeau, je le rappelle. Il n'en a pas besoin. C'est bon ça. Et le lancer de Brieux, oh, c'est un bol. Oh, c'est le bol. Je dirais qu'il a manqué de réussite sur ce but. Il l'a pas mis dans le corner. Ah, pas de corner, aucun rapport avec le basket, Léo. Pour pardon, autant pour moi. Allez, Pierre, c'est dans l'impact physique, hein, qu'il faut qu'il soit plus présent parce que Brieux, il le colle. Hein. Là, il le colle. Mais c'est sensuel, presque. Ouais. Oh là là, dommage, la raquette. C'est une vraie chorégraphie, ce match. C'est une vraie chorégraphie. Comme quoi, le foot, c'est un meilleur sport. On peut le dire. Oui, non, big up. Big up à tous. Oh là là. Il y a l'intensité physique, il va le faire, non? Aïe, aïe, aïe. Il perd ses moyens, il est au rebond. Il est au rebond, Brieux. Allez. On va au bout. Aïe, 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 ça manque de réussite. Il se caractérise par un physique hors norme et des capacités. Allez. Au basket qui le sont. Oui, mais Pierre a un centre de gravité un poil plus bas, ce qui lui permet peut-être d'être un petit peu plus explosif sur les moments offensifs. Putain, c'était bien premier degré ce que t'as dit en vrai. Se concentrer pour pas bégayer, t'as vu? Pierre au rebond. Pierre qui récupère. Tu fais de la SMR?
Ouais, l'ASMR sportif. Oh, attendez, je vais avoir la balle. Vas-y. Oui, Lucas. J'ai la balle du match. Attention. On rappelle que c'est de la fausse transpiration. Arrêtez, ça me gêne. Arrête, merci. Ah non, c'était de la vraie, j'ai senti, c'était de la vraie. Oh là là, 2 points en plus, 8 à 2. Hein? 8 à 2, ça fait 40 euros pour Pierre. Je comprends toujours pas ce qu'elles disent par contre. Moi non plus. Oh là là. J'ai lancé un clapping, t'as vu? J'ai lancé un clapping. Allez Pierre! Allez, maman! Allez! Il va le faire, oh là là! Le rebond, pourquoi pas? Il va le tenter, Brieux. La taille qui fait la différence, messieurs dames. Ça change du City Stade en face de Maison Grise. Et Brieux, pourquoi pas? Tout en détente. Tout en détente, il le fait. C'est prétentieux. Combien, Lucas? 10 à 2, il y a 10 à 2. À 2. 10 à 2, c'est très serré pour l'instant. C'est la première fois dans ce match qu'il y a 10 à 2, on tient à le dire. C'est vrai. Et si tentait le 3 points? Et ce sera peut-être la dernière fois qu'il y a 10 à 2. C'est pas comme les QCM au collège, j'ai pas de points négatifs là. Allez Pierre, joue de ton physique, Pierre. Oui. Allez, oh, c'est bon. Oh, c'est très bon. Allez, et pourquoi pas? Oh là là. Oui. C'est magnifique. 10 à 4, on est à 14 points au total dans ce match, c'est fou. Ça fait 200 euros pour le van pour l'instant de Pierre. 200 euros pour un van qui n'est pas cher, je le rappelle. Et qui ne roule pas, on le rappelle. Hein. Ouais. On ne sait pas si c'est 200 euros TTC ou hors-taxe. C'est hors-taxe. Voilà, attention à ne pas agresser quand même les confrères qui sont venus ici. On rappelle que Brieux a déjà couru un marathon en 6 pas seulement. Ce qui est énorme, hein, c'est énorme. Oh la puissance! Oh là là, ça va, toi! Non, ça rentre pas. On sent la fatigue très clairement. Là. J'ai l'impression que la chance ne sourit pas à Pierre aujourd'hui. Ouais. N'est pas accompagné par ce petit plus, cette petite magie, cette petite étincelle, mais cette petite. J'ai plus. Ouais, mais c'était bien, j'ai bien aimé. Oh là là! Un nouveau point, 12 à 4. Et avec un calcul mathématique très simple, on peut voir que Brieux a 3 fois plus de points que Pierre. De plein, ouais. Oh! Oh là 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 là. Oubliez tout ce que vous savez du basket. Vous allez en apprendre aujourd'hui ici. 12 à 7, les amis. 350 euros à sortir pour Brieux. Un magnifique 3 points de Pierre Cross. Le van coûte une Nintendo Switch actuellement. 350 euros en van, ça reste une bonne affaire, mais Brieux, il en veut plus. Il en veut plus, et pourquoi pas? Oh là là! Ouais! 14 à 7. Il est poussif, Brieux. Il a envie d'y aller simple. J'ai vu Brieux pincer les tétons de Pierre. C'est pas dans les règles de l'art, mais. Non, même en NBA, c'est pas accepté, je crois. Ne réglez pas vos postes de télévision. Ils sont juste rouges de naissance. C'est en 1946. Oh la GoPro! Oh, il a marqué avec la GoPro! Oh la GoPro! Très rare, ça, très rare. Donc tu vas devoir payer 350 euros le van et 300 euros une GoPro. POV! Oh le POV! Oh! Et s'il faisait un 3 points en POV? Et s'il le faisait? Aïe. C'est fou. On retrouve l'essence de la chaîne La Maison, c'est un vlog. Incroyable. Et voilà, Pierre c'est l'entertainment en premier, c'est ça que j'aime chez lui. C'est marrant, ta voix change quand t'es commentateur. Ouais, j'aime bien prendre un petit ton. Oh, oh là là, oh là là. Désolé d'ailleurs si on gueule dans cette vidéo, on est tellement à fond. Aïe. Après, Pierre est plus à l'aise sur le continent américain au basket. Là, c'est vrai qu'on est en France. On est en France dans le 95, on le rappelle. Non, on est dans le 9-5, motherfucker. Non, 9-5 tout court. Hein. Ah ouais, c'est pas... Mi-temps, c'est le temps mort. Attendez, 16 à 7, tout peut se passer dans la deuxième mi-temps. Restez branchés, restez connectés. Rien n'est fait. Les joueurs ont besoin de se reposer, ils y vont et attention au show de la mi-temps. J'ai été surpris par l'effort cardio là. Brieux qui mène. Bonjour Brieux, comment vous sentez-vous? Très bien, je sens que ça va être dur. Là je suis à peu près mort mais... Brieux? Ça va le faire, ouais. Y a pas un show? Si, y a un truc, t'inquiète. Y a un concert? Ça va être dur, parce que lui il a plus de cardio que moi. Ok. Peux-tu me rappeler le score? Ça fait 16-7, donc j'achèterai potentiellement le van à 350 euros. Si je fais la même deuxième mi-temps, ça fait un van à 700 euros ça. Et là tu trouves que tu fais un bon début de match ou pas? Je suis pas parfait mais ouais ça va. Le niveau de Pierre, t'en penses quoi? Il est bon mais c'est en défense que ça joue et en... C'est physiquement non? Non, c'est parce que je suis plus grand. Ah oui, t'es très grand, on a remarqué. Tu fais 1m combien? 92, 93. Ah, c'est beaucoup, c'est plus que la moyenne. Moi, je pensais plus
Oui, je vais en chier vos questions. Ah. Allez voir Pierre parce que là c'est. Toi, tu fais 1m combien, Pierre? 83. Et moi 1m62. Ah bah voilà. Bah, il est plus grand du coup. Ouais, ouais, un tout petit peu. Voilà. Ouais. Allez en parler à Pierre, je suis intéressé. Ok. Faites-le parler, faites-le. Ok. On va parler à notre. À Pierre. Ah oui, oui. Ah, allez, là-bas. Bonsoir Pierre. Est-ce que tu veux un mouchoir pour te moucher vu que t'es en train de perdre? Ah, mais il est déjà usé, c'est celui de Joe. Ouais, c'est le mien. Ton premier ressenti là sur la première mi-temps? Il est. Il est costaud. Il est grand, non? Il est grand, ouais. C'était une remarque que je voulais pas faire, mais merci. 1m93, il nous a dit. Ouais, et PA, 1m. PA, tu fais combien, toi, t'as dit? 83. Une réaction par rapport à la taille de Brieux? 1,80 moi. D'accord. Donc il y a 13 cm d'écart. Ça compte. Et il a des bras aussi. Il a des bras. Physiquement, ça va aller? Ouais, ça va le faire. C'est juste que. Il a bien travaillé son cardio aussi, récemment. J'ai l'impression qu'il se passe des choses sur le terrain. Il a un massage là? Ouais. Pierre pleure pas, t'inquiète. Il a un massage. Je pense qu'on va aller voir ce qui se passe côté massage. Toi, tu peux rester là, je crois. Ouais, ouais. Bouge pas. À tout de suite. Il a un massage pro. Je suis vraiment sûr, je suis désolé, c'est pas un cadeau. Sympa, j'ai de l'eau aussi, moi. Mais moi, il y a encore une semaine, je pensais que c'était au parc. Hein. Pour nous, sur un petit terrain où ça s'essouffle pas. Là. Le grand terrain pour ceux qui jouent au basket en 1 contre 1, c'est physique. Hein. Ah. Ouais. Qu'est-ce que tu lui fais là? Ben, on regarde s'il y a des tensions au niveau du dos. Un petit peu, ouais. Tiens. Il y a des tensions là? Je regarde. Tu le trouves comment, Brieux, physiquement? Il est bien. Hein. Tu te sens bien? Je veux dire, par rapport au match. Hein. Ouais. Oui, bien évidemment. Ouais, c'est très bien. Je le permettrai pas. Tu te rends vraiment les effets? Ah, ouais, c'est fou, ouais. C'est trop bien. Pierre nous a dit qu'il allait te défoncer. T'en penses quoi? Bah moi je me prononce pas, on verra le deuxième mi-temps. C'est hyper humble. On va voir Pierre. Waouh. J'arrive. Tu joues un perso ou t'es vraiment éclaté? Ah, je suis vraiment éclaté. Hein. Vu que Brieux il a carrément une masseuse, ouais. Bah je peux te faire des récupérations. Hein. Ouais, tu fais mal, en fait tu fais mal, non. Tu vas plutôt me faire un déchirage musculaire. D'accord. Ouais. Déchirement. J'ai plus rien à dire. Hein. Bon. Non, mais j'ai plus rien en fait. D'accord. Y a plus de questions. Vous me tendez juste le micro. On reste ici ou okay, on te laisse? Parce que toi, t'es tout seul. C'est quoi l'ambiance de vue de l'extérieur là? Bah, toi, nous dire. Non, je suis de l'intérieur. Ah, oui, c'est vrai. Y a une bonne ambiance? Oui, une bonne ambiance. C'est un bon match à regarder? C'est un bon match à regarder. Après, on a envie de t'encourager parce que t'es un petit peu derrière, mais. Y a combien? Y a 15-7? Ouais, 16-7 même. 16-7. Ouais. Du coup, là, t'as une stratégie ou pas? Non. Aucune. Ok. Est-ce que Brieux devance là pour le moment? Bah oui, en termes de points. Ouais, en fait, il y a 16-7. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à sa taille? Oui, il est plus grand. Brieux, il est en train de vivre sa meilleure vie là-bas. Hein. Sur le terrain en plus. Hein. En plein milieu du terrain. T'es sûr que tu veux pas que je te fasse un massage? Hein. Non, tu le fais mal en fait, ah ouais, tu me déchires le muscle. Et on est reparti pour 40 minutes de son dance floor. Non, c'est pas pareil. On fait un match de basket là. Il y a un big up à tous les étudiants en kiné évidemment. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Oh là là. Oh, ça va être aérien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le show de la mi-temps. Le show de la mi-temps, exceptionnel ce qui se passe. On n'est pas dans le rythme, mais c'est pas grave. Non. Regardez ce qui se passe là. C'est plus impressionnant que le match de basket, on peut le dire. Ah oui, largement plus impressionnant. Encore une en haut. On dirait la cross-sport au lycée, mais bien fait. Elle va aller tout en haut, elle. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Oh, mais wesh, incroyable. J'aurais peut-être fait un double moi en sortie pour que ce soit plus impressionnant. Oh là, regardez ce qui se passait. Eh mec, c'est exceptionnel en vrai. Ouais. Oh, ça va si haut. Exceptionnel, j'ai déjà dit ou pas? Exceptionnel. Exceptionnel. Oh là là, même ça, j'arrive même pas à toucher mes pieds quand je suis debout. Mais même faire ça avec les trucs, j'arrive pas. Hein. Je sais pas le faire aussi bien. Waouh. Ok, on va demander un maximum de bruit. Attends, je sais même pas si c'est fini. Est-ce qu'ils ont fini? Non. Voilà. C'est très Lucas Studio ça, très Lucas Studio. Bruno là. C'est magnifique. Merci encore. Et on va pouvoir accueillir Pierre et Brieux pour cette deuxième mi-temps d'anthologie. Ouais. Allez messieurs, régalez-nous. Il a mal fait la trompette là. On l'aime ce sport. Et c'est le début de cette seconde. Oh là là. Et sans transition. Pierre qui mène la danse, allez. Et quelle danse d'ailleurs, on les aime ces danses. Hein. Pierre, main gauche, main droite, c'est une vraie alternance. Il revient peut-être fort. Sans regarder. Messieurs, je vous partage quelque chose que m'a dit Brieux en passant là, très discrètement. Il m'a dit, Pierre ne le sait pas, mais je suis mort. Il est vraiment crevé à ce qu'il paraît. Brieux, il est mort, il a dit. Non, faut pas dire. On rappelle que si Brieux était un pneu, on dirait qu'il est crevé. Oui. Oh, il est bon celui-là. Tu reviens bien. 14 à 9, comme la guerre. Et ça fait la différence.
Oh là là. Oh là là, il va le tenter ce 3 points. Le Herbois. On rappelle qu'un match, ça se gagne sur le terrain. Celui-là, il sera cut au montage, ne vous inquiétez pas. Brieux, le numéro 12 face au numéro 13. Numéro 12 qui a toujours le ballon face au numéro 13. Le numéro 12 encore, le numéro 12 qui va se retourner. Oh là 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 là. Oh là là, quelle récupération. Oh putain, putain de putain de putain de putain. On avait dit impartialité, impartialité au début. Oh là là. Et quel point. Et le suspense qui revient, 14 à 11 dans ce match. Bien joué ça. Bien joué, c'était bien. Pour l'instant, ça fait, écoutez-moi bien, je fais un petit calcul très rapide, ça fait 550 euros pour l'instant pour le van. C'est pas précis, Lucas, j'ai rien compris. Oh. Il va sur du... Olé. Olé. Il va sur du classique. Bon, il m'impressionne pas avec ça, Brieux. 16 à 11, Brieux qui creuse l'écart et qui creuse également sa maison en ce moment. Ah dommage, non, il l'a senti. Pierre qui veut du mal au leader des Pom Pom Girls, je crois. Appuie sur le champ. Ah mais comme si c'était un routier en fait. Appuie, un chauffeur de bus qui emmène en colonie là, une classe de 6ème. Eh, vous me faites pas des traces de chaussures sur le parquet là, c'est dégueulasse après. Mais c'est chiant à enlever, faut gratter. Au Pierre. Oh là là là. Quel beau panier de Pierre et quel beau panier. À tous ceux qui n'aiment pas le basket, je vous conseille de vous désabonner car maintenant ce sera la chaîne La Maison du Basket. Non mec, non, on va perdre masse d'abonnés. Si non, moi je suis chaud basket. Qu'on fasse que du basket. Non. Attendez, j'ai oublié de compter les points. 18. 18-13, autant pour moi. Le joueur qui me courait, genre en train de jouer, hein, c'est fort. Hein. 15-15 du coup. 18-13, je suis très peu attentif à ce qui se passe en tout cas. Immer, c'est sympa quand même. Oh Pierre, voilà. Agressif sur ce 3 points. Mais récupère derrière, pourquoi pas prendre 2 points. Oh, il se fait la passe tout seul. Aïe aïe aïe, il l'a mis dans l'angle de la raquette de panier de la lunette. Et quelle bâche de Piscine, il a également chez lui, Brieux. Avec... Oh là 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 là, il a levé la balle. Il court de partout. Brieux, il a décidé que c'était son temps fort. Il va... Oh là 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 là. Il insiste et ça passe. 20-13, messieurs dames. 20 à 13. Comme Pierre, il a le numéro 13, il a 13 points, c'est un mnémotechnique pour Sandra. Non mais après, ça va très vite changer. Il faudra qu'il change de maillot. Ah dommage, c'est encore un Herbois. Faut pas qu'il marque 2 points là. Le Herbois. Il n'y a pas un dunk, rien. Rien. Oh, pourquoi pas le 3 points. Oh, pourquoi pas l'agresser, filet au rebond également. Oh, quel point. Il a fait un match de volley, il a fait un move de volleyball. C'est du basketball caviar, c'est du basketball champion. Attention au premier degré de Pierre. Et c'est le premier caviar que je mange à la grosse cuillère. 22 à 13, messieurs, dames. Pierre qui a préféré mettre un sparadrap autour de sa montre plutôt que de l'enlever. Pierre qui fait une mise à jour, là. Oh là là, c'est... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il va tanker, oh là là. Ah, il s'est fait surprendre, bah oui. 25 à 13, plus que 5 points pour Brieux, plus que 5 points. Et Brieux me l'avait dit avant le match, il m'avait dit si je suis vif de temps en temps, ça va passer. Mais rien n'est fini, Pierre qui récupère cette balle, qui va tenter, c'est beau. Oh. Aïe, 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 aïe. Après, on se rend pas compte, on se rend vraiment pas compte de la difficulté que c'est d'attaquer sur un gars qui fait 1m93 en défense. Je crois qu'on... C'est impossible. Ouais, on s'en rend compte un peu quand même, je crois. Depuis début, Pierre a du mal. Hein. Aïe, 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 aïe. Brieux, il a décidé d'être sur tous les rebonds. Hein. Plus on est fatigué, plus c'est compliqué hein, de rester précis. Oh, oh là là. 27 à 13. 27-13. 1-3 points et le match se finit. 27 à 13, on le rappelle. Il ne manque plus qu'un seul panier à 3 points pour Brieux pour écrire l'histoire. Allez Pierre, hein. On rappelle, le mot d'ordre, c'est impartial. Pas te laisser emmerder par un Normand, hein. Pour l'instant, 650 euros le van et pourquoi pas plus fort. Et quel soutien. Oui, oh là là, c'est pas loin. Voilà. Et ça récupère et ça repart vite pour Pierre Cross. Oh là là, et s'il le mettait. Et s'il le mettait, malheureusement. C'est ce que j'appelle un layup reversé. Oh le shoot. Il va le 3 points. Aïe aïe aïe, la raquette. Non, c'est sur la... La raquette de la lunette du carré de temps. Un 3 points pour finir. La planche. Bah non, du coup... Oh, c'est scolaire ça. Brieux, si c'est pour faire ça, ça rentre chez lui, chez soi. Ouais, voilà. Allez. C'est un 3 points. Ça fait 27 à 15 à... Non, à 24. 26-15. Hein? 26. Mais non, 27-15, non. Ah, autant pour moi, je sais pas compter les points. 26-15 actuellement. 26-15. 20-20 pour... Tout est encore possible. Il y a moyen qu'on fasse n'importe quoi. Allez Pierre, jusqu'au bout Pierre. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Mais on rappelle que jouer c'est fatigant, mais commenter aussi. Hein.
Oh là là, 28 à 15. C'est peut-être le dernier panier. Il reste peut-être un seul panier à Brieux à mettre. Bah je dis peut-être, mais c'est ça. C'est sûr. Profitez du moment présent, c'est le dernier panier peut-être de cette rencontre et de ce match. Et pourquoi pas le 3 points? Oh là là. Voilà, 28-18. Rien n'est fini. 10, j'aurais mis 10. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai pas de pancarte 10. Non, mais c'est pas un concours. Allez Pierre, encore 6 comme ça. C'est bien défendu. Allez, accroche-le. Il faut l'accrocher là, faut pas le laisser approcher. Faut pas le laisser approcher. Oh, c'est la victoire. La victoire de Brieux. C'est historique ce qui se passe. C'est historique. C'est fou. Point d'anthologie. Ouais. Super, super. 30 à 18, ça fait 800 euros. 800 euros le van. Non, 900 euros le van, pardon. 900 euros le van. Oh, 900 euros le van. 18 x 50, ça fait... C'est le montant d'un loyer d'un 30 mètres carrés en banlieue parisienne, on se rend pas compte. C'est exceptionnel. Bravo, bonhomme. Fais mon bris. On rappelle que Pierre Cross n'a pas démérité. Non, très bon match. C'est les fumigènes qui sont craqués, les hooligans qui sont prêts à en découdre. Non, tout va bien, ils sont très polis, tout va bien. Tu as des hallucinations. Première réaction à chaud, Pierre. Rappel du score. On pose deux questions en même temps. 30-18, c'est ça. Ah, vous avez pas suivi? Un peu, enfin... C'est tout? Ouais. C'est vraiment faible en termes de... Mon avis sur ta prestation? J'ai eu un moment un peu remonté. Ouais. C'est vrai, remonté c'est vrai. Acide. Après... Est-ce que tu penses que t'aurais pu faire mieux? Non. Je suis content, déjà. T'étais au max, là? L'important, c'est de... C'est de gagner. Oui. Mais... Participer. Putain, il prend son moment de gloire, hein. Ouais, on va voir Brieux. Brieux! Oui, madame. Premier mot, après cette victoire. Je suis très très content, non plus là. Je suis très 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 content. Parce que du coup là, c'est bon. T'as gagné? Ouais, j'ai gagné 18-30. C'est un score cool? Bah cool, ça veut rien dire, oui c'est cool, oui. Tu trouves que t'as bien joué? Ouais, ça va, je me plains pas. Non, t'es content du résultat? Oui, je suis très content, bah ouais. Okay. J'étais parti pour perdre au départ. T'étais parti perdant? Ouais, faut que je dise un petit truc à Pierre vite fait. Ah, Pierre. Ouais, mais sans enlever le bras. Quoi? Non. J'ai eu tout le match. C'est que non, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas couru. J'ai un pote qui est marathonien qui m'a envoyé ses stats. Donc toutes mes stats, je me suis entraîné peut-être 5 minutes sur la dernière semaine. En fait, je suis mentalement. J'étais mauvais comme d'habitude. T'as pas couru? J'ai pas couru. Je peux pas courir. Là, je suis mort, là j'ai envie de faire malaise. J'ai fait 25 km en 2 heures, mais c'est un pote marathonien à moi, Thomas Big Up. C'est vrai? Ouais. Bah non, je suis incapable de faire ça. Mais le lac et tout, c'était près de chez toi ça? T'as mis une... C'est près de chez moi. Bah oui, mais c'est un pote de chez moi. Il vient de Normandie. Et tous les autres, j'ai dû rogner parce que c'est à Nantes. Il habite à Nantes aussi. Donc tous les trucs où j'ai cru que t'étais chaud physiquement. Tout était faux en fait. Depuis le départ, tout est faux. Je suis m'entraîner 5 minutes sur la. En fait, t'es pas grand depuis le début. Si, non, ça c'est vrai par contre. C'est un pote à toi qui est grand. Non. Alors, le match vous a plu? Ouais, moi oui. Et vous? Ouais, non, mais t'étais chaud. Bravo. Merci. Même ça c'est raté, regarde. Même ça c'est un peu raté. Mais moi j'ai fait exprès, hein. De perdre? Ouais. Ah bon? Ouais. C'est vrai, on en fait un? Ouais, c'est un pote à moi qui jouait. Ouais. On peut rapplaudir Pierre et Brieux. Ce que j'ai apprécié, c'est que les deux ont joué à 200% aussi. Hein. Il y a à 200%, à 300%. Je voulais pas se faire de cadeau. Hein. Messieurs, vous avez livré vos interviews de fin de match respectives. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Maintenant, c'est vrai que... Bravo à lui. Oui, mais bravo à Brieux. Il a taffé, il a couru tous les jours. Et bravo à Pierre aussi qui a fait un très bon match. On a eu deux compétiteurs qui se sont donnés à 200% et on a pris énormément de plaisir. Ah, on a adoré. C'était incroyable. 18 points pour Pierre, c'est beau aussi, c'est du beau niveau. 18 points, donc on le rappelle que du coup le van coûtera à Brieux la modique somme de 900 euros. Donc bravo à lui. Ça fait moins de 1000. Bravo. J'ai calculé, c'est un peu moins que 3 Nintendo Switch. Bravo à Lucas pour ce calcul qui a peu d'intérêt aussi. Je propose qu'on fasse une petite remise des clés symbolique. Oui, bien sûr. Et ça me semble normal. Brieux en tant que gagnant de ce match, et bravo à toi. Merci beaucoup, Pierre. Je te remets officiellement la clé de ce véhicule. Allez, la clé du van. T'inquiète. C'est la clé d'une fenêtre. C'est d'un petit meuble à bouteille. Ah oui, mais dans le van. Dans le van. Okay. D'accord. Ok, donc je peux pas rentrer dedans. Si, je te donne la clé, c'est juste que là. C'est symbolique, hein. C'est pas vraiment la vraie clé. C'est comme les clés de la ville, t'as pas les clés de la ville. Ah oui, ok, je comprends. J'aimerais quand même une dernière fois remercier le partenaire de cette vidéo, ASU2000, qui nous a accompagnés de A à Z et qui finalement va te permettre d'assurer Brieux ton nouveau van. Bah oui. J'espère que tu seras fair play, peut-être que tu t'inviteras Pierre de temps en temps. Non, il est nazi. Ah ouais, non, t'inquiète. Avec plaisir, tu viens quand tu veux. Le moteur marche pas. La boîte à vitesse déconne. D'accord, ok. On remercie aussi toutes les personnes qui sont venues dans le public. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Brieux.
On te laisse remercier aussi toutes ces accompagnantes. Oui, bah oui. Merci à mes pom-poms, hein. Vous nous avez régalé, hein. Et t'avais une kiné aussi, elle. Et merci à Solène. Eh, applaudissez là! Vous voyez, quand tu fais un contrat, il y a besoin de 213 personnes. C'est vrai qu'on avait, effectivement, on avait un 1 contre 100 quasiment. Enfin, il a remis un. Plus, non? Plus quand même. Brieux, tu repars avec le van et ton gars sur un prime qui est juste là, on l'applaudit aussi. Ouais. Toutes les informations sur ASU 2000 sont disponibles dans le lien de la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, si vous avez besoin d'une assurance, si vous voulez changer, si vous êtes malusé, allez-y, n'hésitez pas. Et il me reste en fait à remercier tout le monde pour cette vidéo incroyable. Merci Dylan, merci Lucas. C'était incroyable de commenter ça en votre compagnie. Merci à toi. Et bravo aux équipes de Maison Grise aussi. Hein, bravo, hein, bravo à toutes les équipes de Maison Grise. Je pense que c'est la vidéo la plus ambitieuse sur la chaîne de la maison. Restez connectés car il y aura un volume 2. Match de tennis, Lucas contre Guillaume Santin pour gagner. Oh là 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 là. Alors, bon, moi j'ai proposé à Pierre s'il veut faire un 1v1 tennis un moment en vidéo sur la maison. Aïe aïe aïe. Un 1v1 tennis? Un 1v1 tennis sur la chaîne de la maison. Il reste à trouver un gain. La voiture de Pierre. Bah vas-y, on trouvera un gain d'ici là, mais voiture, chaque point que je mets, tu me dois 10 euros. Bon, on trouvera un truc. On trouvera un truc, mais en tout cas, je suis très chaud de faire ça au tennis. Et bah, on garde ça. Restez connectés. T'as combien de temps? Dans quelques semaines. Moi, chaud, hein. Aïe 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 aïe. Attention, c'est en vidéo. Si je peux perdre une fois de plus. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes à peu près bon à un sport et que vous voulez me prendre de la thune, défiez-moi un contre un. Ah, au foot, moi, au foot. Ouais, vas-y, je suis chaud. 500 balles. C'est plus rentable qu'un schéma pyramidal. Merci à tous. C'est une fin de vidéo. À très vite. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.